Jesus. Merci Jésus. God bless you, my beloved. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. God is answering our prayers. Dieu exauce nos prières. God is answering your prayers. Dieu exauce vos prières. The Lord says, I should tell somebody here. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un ici. That joy. Que la joie. Will not cease in your life again. La joie, l'allégresse ne cessera joy. Jamais dans votre vie. La will joie not cease in your family again. Ne cessera jamais plus dans votre famille. The joy that the enemy has stolen in your life and family. La joie que l'ennemi a volé dans votre vie et dans votre famille. Dieu thank dit you, que Jesus. Vous allez récupérer cela. Oh, merci Jésus. You are welcome to this program. Vous êtes les bienvenus à ce programme. Sur cette plateforme de la délivrance. Nous continuons notre enseignement, la parole de Dieu. Today is the part three. Aujourd'hui, c'est la partie 3, la parole de Dieu. Let's close our eyes for prayer. Fermons les yeux. In the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, nous sommes ici devant toi. Open our understanding. Ouvre notre intelligence. Bénis-nous. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. The word of God. La parole de Dieu. Is the manifestation of the mind of God. C'est la manifestation de la pensée de Dieu. Something that is inside the mind of somebody. C'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur de la pensée de quelqu'un. The mind of God. La parole est dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. No power. Aucun pouvoir. No problem. Aucun problème that can stand against the word of God. Ne peut se dresser contre la parole de Dieu. If you have the word of God in you, si vous avez la parole de Dieu it en means vous, cela signifie no sickness, aucune maladie, no death, aucune no mort, power, aucun pouvoir that can stand against you, ne peut se dresser contre vous, you. Ne peut se dresser devant vous. The word of God. La parole de Dieu is the solution to all problems. C'est la solution à tout problème. My beloved, mes bien-aimés, today, aujourd'hui, we shall be looking at nous allons nous intéresser how to study the word of God. Comment étudier la parole de this Dieu. This is where you need to pay attention now. C'est là que nous devons prêter attention. Some people are complaining. D'autres some des people personnes are se plaignent. Asking. Il y en a qui demandent. Some people are saying il y en a qui disent they don't know how to read the word of God. Ils ne savent they don't pas comment lire la parole de Dieu. Comment they don't étudier know where la to parole read. De Dieu. Qu'est-ce qu'il faut lire. Start from. Où commencer. I'm going to give you 10 examples. Je vais vous donner 10 exemples. On how to study the word of God. Comment étudier la parole de Dieu. Number one. Numéro listen. Un. When you are reading the word of God, lorsque vous lisez when la you parole are reading de Dieu, the Bible, quand vous lisez la, la Bible, number one, who is speaking? Qui parle? You must know who is speaking. Vous devez savoir qui parle. When you are reading the word of God, quand vous lisez la parole de Dieu, who is speaking? Qui parle? Who is speaking? Qui parle? Like, for example, par in Genesis, exemple, chapter Genèse, one, the Bible says, in the beginning, la Bible nous dit au commencement. In the beginning, God created the heavens and the earth. Dieu a créé les cieux et la God terre. God created Dieu the heavens and the earth. A créé les cieux somebody et la is terre. Speaking. Quelqu'un parle. It's not God. Ce n'est and pas speaking Dieu there. Qui parle là. And the Bible says, the earth was without form and void. Et la Bible nous dit que la terre était informe. And darkness was upon the face of the deep. Et les ténèbres, and il God avait said, les ténèbres à la surface let de la Bible. Et l'esprit de Dieu so you see where God comes in. Des eaux. Et Dieu God dit que la lumière soit et la lumière fut. Let there be light. Que la lumière soit. You must know who is speaking. Vous devez savoir number two, qui parle. Deux. Who is addressing? À qui on s'adresse? Who is addressing? Is addressing who? À qui s'adresse-t-on? Who is he speaking to? À qui on parle? You must know. Vous devez savoir this cela. Take time. Cela prend le temps. Open your mind. Ouvrez votre esprit. You must know who is addressing. They are addressing who?
À qui on s'adresse? They are speaking to whom? À qui on parle? You must know that. Number three. Numéro 3. When is that word spoken? When? Quand cette parole a été prononcée? Which month? Quelle année? Quel mois? À quel moment? Was it in the night? Est-ce dans la nuit? Was it in the morning? Est-ce le matin? Was it in the daytime? Pendant le jour? You must understand. Donc vous devez comprendre. When is that word spoken? That's Qu'est-ce que cette parole dit? The Bible says. La Bible. When men slept. Quand les hommes dormaient. The enemy came. L'ennemi vint. When men slept. Quand les hommes dormaient. The enemy came. L'ennemi vint. And so ties. Et se mal livrait. Parmi le They are addressing who? À qui s'adresse-t-on? Cela s'adresse à vous. They are speaking to you. On vous parle. Telling you that. Vous disant. An enemy can come in the night. Que l'ennemi peut venir la nuit. When men are sleeping. Pendant que les gens dorment. You must understand. Vous devez comprendre cela. Numéro 3. Okay, I think I'm in number 3 now. I'm in number 3. I went back to number 2. I went back to number 2. Number 3. When is that word spoken? Quand cette you parole must a été prononcée. I give an example of Matthew. Matthew. When men slept. Je donne l'exemple de Matthew when quand men les slept. Hommes dormaient. When is that word spoken? Quand cette parole a été prononcée. Number 4. Numéro 4. Where is it? Où? Where is it? Où est-elle? That the word was spoken. Où cette parole is a été prononcée? Is it in the boat? Est-ce dans une barque? Is it in the house? Est-ce dans une maison? Is it on the mountain? Sur la montagne? You must know. Vous devez savoir. Number one, who is speaking? Qui parle? Numéro you un. Must know. Number two, who Dieu is addressing or, à qui who, s'adresse-t-on? Or speaking to? Ou à qui parle-t-on? Number three, numéro when trois, is that word spoken? Quand cette parole a été prononcée. Then number four, numéro 4, where is it? Is it in the où, boat? Où elle a été prononcée? Is it in the house? Est-ce dans or la barque, mountain? La maison, la montagne, five, la montagne 5? What is the occasion? Or circumstances. À quelle occasion? These are very, very important. Dans quelles circonstances? What was the occasion or circumstances? À quelle occasion et dans quelles circonstances? Jesus Christ was invited. Jésus a été invité. To a marriage. À un mariage. In Galilee. À Galilée. And the wine was finished. Et il y avait plus de vin. And the mother of Jesus. Et la mère de Jésus. Met with him. And told him lui a dit what was happening. Est allé vers lui et lui expliquait ce qui se passait. And he told the people that were there. Et il a dit aux gens qui étaient to là. To go and fetch Philip jars of water. Et de remplir les cruches d'eau, les jars d'eau. And that water became wine. Et l'eau est devenue du vin. So that you will know, it's just for example, par their exemple, prayers. Oh, that you can pray in the day, and there are prayers you can pray in the night. Il y a des prières que vous pouvez faire le soir, il y a des prières que vous pouvez faire la nuit. Number vous devez connaître what les is the main subject of the message then? Quel est le sujet principal what de ce was the message? Main subject of the message? Quel est how le to sujet study principal? The word of God. Comment what la is the main subject of the message? Quel est le sujet principal? What is the subject? Le sujet principal. You must understand that. Vous devez comprendre seven, cela. Is the purpose of the spoken subject revealed? Est-ce que le but du sujet a été révélé? I give an example. Exemple. When men slept. Quand les gens dorment. When men slept. Quand les gens dorment. The enemy came and sow ties among the wicked. So, parmi le look at, is the purpose of the spoken subject revealed? Est-ce que it was revealed here. Because when men slept, the enemy came. Du sujet a été révélé. The purpose of sowing ties among the wicked. And they went their way.
Number 8. What lesson do I learn from it? Quelle leçon en tirer? Because there's no way you will read the word of God. There's no way you will read a story of a character in the Bible that you will not learn something from it. C'est pas possible que vous étudiez un personnage de la Bible et que vous ne tirez pas des leçons. What lesson do I learn or learn? Quelle leçon vous avez apprise ou bien vous avez tirée? How to study the word of God. Comment étudier la parole neuf? You will not ask. Is it applicable to my life? Est-ce que cela is it applicable to my life? Est-ce que cela est applicable à ma vie? When men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat and went their way. This is a dream attack. Quand les gens dormaient, l'ennemi vint et sème du frais. So you can learn something from there that somebody in his dream can come under attack. Donc, Matthew 13, verse 25. Say, when men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So it's applicable to our life. Est-ce que cela est applicable à notre number vie? 10. Numéro 10. How does it help my Christian life? En quoi How cela does aide it ma help vie my Christian chrétienne? Life? En quoi cela aide ma vie chrétienne? If you understand all these things, it will help you to know how to study the word of God. Et si I'm vous going comprenez to go cela, through it again. How to study the word of God, who is speaking, you must know who is speaking, who is addressing who, à qui on s'adresse, or speaking to. À qui on parle. Three, where is that word spoken? Quand cette parole a été prononcée. Four, where is it? Où cela est prononcé? In the boat? Est-ce dans la barque? Is in the house? Dans la maison? Or mountain? Ou sur la montagne? Five. What is the occasion or circumstances? À quelle occasion et dans quelles circonstances? Six. What is the main subject of that message then? Quel est le sujet principal de ce message? What will that person try to talk about? Qu'est-ce que la personne essaie de dire? Seven. Is the purpose of the spoken subject revealed? Est-ce que le but du sujet a été révélé? Eight. What lesson can you learn from it? Quelle leçon tirer de cela? Now, is it applicable to your life? So if it's applicable est-ce que cela to your est life, applicable à votre apply vie? Apply it. Appliquez cela. Any lesson you can learn from it, learn it. Toutes les leçons que vous pouvez tirer, how does it help your Christian life? En quoi est-ce que cela aide votre vie chrétienne? All this will help you. Tout cela va vous aider. All this will guide you. Cela va vous it's guider. It's not the word of man. It's only the word of God that can guide you, that can deliver you, que la and that can de help Dieu you. Qui peut vous we are going to stop here ce to continue. La parole des hommes. Nous I want to close vous your eyes là, and begin to talk yeux, to God. À ask Him to forgive you. Anything that can stand as a hindrance to your prayer. In Jesus' mighty name, we pray. We are going to pray. Jésus, nous allons prier. And we are going to take this song. Nous allons prendre ce chant. I want us to sing it together. Nous allons le chanter ensemble. We only have seven prayer points to pray. The blood of Jesus, the blood that conquers Satan. Nous avons sept points de prière après. Are you ready? Êtes-vous prêt? I want to sing it aggressively. Le sang de Jésus, le sang qui a vaincu Satan. Your enemy shall be conquered. Every problem confronted shall be conquered. Vos ennemis seront vaincus. Tout problème as you are singing this song, auquel vous êtes confronté sera vaincu. To move, to la puissance de Dieu va agir. The blood of Jesus, the blood that conquers Satan. Blood of Jesus, the blood that conquers Satan. The blood that conquers it. The blood of Jesus. Le the blood that conquers Satan. It. The blood of Jesus. The blood that conquers Satan. It. The blood that conquers it. The blood of Jesus. The blood that conquers it. The blood of Jesus. The blood that conquers it. The blood of Jesus. The blood that conquers Satan. Le sang qui a vaincu you Satan. Pray the first prayer point like this. La première say prière. Powers. Dites pouvoir.
that have hijacked my glory with witchcraft. Qui a piraté ma gloire avec la sorcellerie. Release it and die. Libère-la et meurs au nom de Jésus. Pouvoir. That have hijacked my glory. Qui ont piraté ma gloire avec la sorcellerie. Libérez-la, mourez. 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 Ouvrez la bouche. Parle à Dieu. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Dites-le. Rama bose ke marebo. Holy Ghost. Saint-Esprit. Your glory must be released. Votre gloire doit être libérée. De tout couvent, de la sorcellerie. Votre esprit aussi doit être libéré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La prière numéro 2. Anything holding me down. Toute chose qui me retient en arrière. Or representing me. Ou qui me représente. Anything holding me down. Toute chose qui me retient en arrière. Or representing me. Ou qui me représente. In my father and my mother's house. Dans la maison de mon père et de ma mère. In my family compound. Dans la concession familiale. That is bringing hindrances to my moving forward. Et qui cause des obstacles à mon avancement. Libérez-moi et mourez. Libérez-moi, mourez. Libérez-moi, mourez. Libérez-moi, mourez. Libérez-moi. Utilisez les mains pour vous délivrer. Ouvrez la bouche. Dites-le, dites-le, dites-le. There Il y a une personne qui a besoin de cette prière, ce pouvoir, cette personnalité. That is holding you down. Qui vous retient au même endroit, family compound. Dans la cour familiale. Soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré, soyez libéré. Toutes choses qu'ils utilisent pour vous retenir dans votre village, soyez libéré, soyez libéré. That strong man that I've said that you have escaped. Qui a dit? Yes, he must release you. He must release you. He must release you. He must release you. Il doit vous libérer. Release you and die. Toute relation de sang. Sitting on my glory. Assis sur ma gloire. And using my star. Et qui utilise mon étoile. Fall down and die. Tombe meurt. Fall down and die. Tombe meurt. 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 Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Holy Ghost! Saint-Esprit! Yes. Ouh! Agis! Yes. Ouh! Agis! Yes! Your, that blood relation, sitting on your glory, and using your star, they must release it and die. They must release it and die. Thank you, Jesus. Hey, Jesus! Mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons you prié. Pray the number four like this. La prière numéro 4, like vous allez crier Any ici. Personality Toute personnalité that have gone to various evil altars qui est allée dans divers hôtels maléfiques to tie me down pour me lier in order for him or her to prosper. Afin que cette personne puisse prospérer, There are some people, il y a des personnes they tie other people down to prosper. Il lie les autres pour prospérer. Pray this prayer very well. Faites bien cette prière. Any personality toute
toute personnalité that have gone to various evil altars qui est allé à des endroits divers pour me lier au même endroit in order for him or her to prosper. Afin que cette personne puisse prospérer. You are a liar. Release me and die. Personality. Pouvoir et personnalité. Using my placenta to manipulate and control my life. Qui utilise mon placenta pour manipuler et contrôler ma vie. Powers and personality. Pouvoir et personnalité. Using my placenta. Qui utilise mon placenta. To manipulate and control my life and my destiny. Pour manipuler et contrôler ma vie et ma destinée. Jesus, mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Kindly rise up to your feet now. Mettez-vous debout. Remaining two prayer points. Il reste thank deux you, points Jesus. De prière. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You pray the number six like this. La prière numéro 6. Any personality. Toute personnalité. Any personality. Toute personnalité. That have become a witch or wizard. Qui devient sorcier ou sorcière. That have become an occultic personality. Qui devient une personnalité occulte. In order to waste my life and my destiny. Afin de détruire ma vie et ma destinée. You are a liar. Vous êtes un menteur. Mourez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Mourez maintenant. Ouvrez la bouche. Parle à Dieu. Talk to him. Parlez-lui. Say it. They must die. Répétez cela. Il doit mourir. Merci Jésus. Merci Jésus. Jesus, mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Follow this instruction now. Suivez ces instructions. Who is making life difficult for me? Qui me rend la vie difficile? Who is making life difficult for me? Qui est-ce qui me rend la vie difficile? Wherever you are. Partout où vous êtes. Whoever you are. Qui que vous soyez. Before I finish this prayer. Avant que je ne termine cette prière. Fall down and die. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom de Jésus, raise up your two hands now. Levez les deux mains. Saint-Esprit. Set the spirit of this person free.
Libère l'esprit de cette personne. Set the spirit of this person free. Libère l'esprit de cette personne. That power that is using incantation. Ce pouvoir qui profère des incantations, qui utilise des incantations pour attaquer son homme esprit. Ce pouvoir qui utilise des incantations pour arrêter votre homme esprit. There is somebody's spirit. Il y a l'esprit d'une personne. Your spirit man has been arrested. Votre homme esprit a été arrêté. Yes. Oui. That is why it's like you are not getting yourself. C'est pourquoi, c'est pour cela que vous n'êtes it's pas like vous-même. Your body is not functioning properly. C'est pour cela que votre corps ne fonctionne pas at bien. Times, it's like you are empty. Parfois, c'est comme si it's vous right êtes there where you are. Mais là où vous êtes, the power of God la puissance de Dieu is releasing your spirit. Est en train de libérer it's releasing votre esprit. Your spirit. Libère votre esprit. Libère votre esprit. Be set free. Soyez libéré. That is the power of God. 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 It's coming upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. Yes. La puissance de Dieu qui survient sur vous. Soyez libéré. Believe. Soyez libéré. Believe. Soyez libéré. That place that they always summon you. They always summon your spirit. L'endroit où ils convoquent tout le temps votre esprit, ils invoquent votre nom. Your spirit will come out from the body. Et votre esprit sort de votre corps et les rejoint. No wonder at times you will find yourself in a strange gathering. Vous vous retrouvez dans des réunions étranges, dans des endroits étranges. And there you don't have any say. Et là, vous right n'avez rien where you à are. Dire. Partout the hand of êtes. God is upon you. Là vous it's êtes. Upon you. La the hand of fire is sur vous. He's delivering you now. He's delivering you now. He's delivering you now. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. And let there be total restoration. Et qu'il y ait une restauration totale. It is done. It is done. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci for answering Jésus, these prayers. Pour les ossements in Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous there shall be no regroupment or reinforcement of darkness against this prayer. In the name of Jesus, I pray for the health of us. Je prie pour le personnel de la santé que Dieu utilise pour sauver des vies. En ce temps de COVID-19, ils ne mourront pas, ils ne seront pas contaminés. They will be promoted in the name of Jesus. Powers and personality. Pouvoir et personnalité. Behind COVID-19. Responsable du COVID-19. Behind fake vaccine. Du faux vaccin. Troubling the church. Qui trouble l'église. Troubling the world. Le monde. Troubling the children of God. Les enfants de Dieu. They will be exposed and be disgraced and die. Ils seront exposés, disgracés et mourront au nom de Jésus. By the power in the blood of Jesus. Par la puissance de Jésus. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now forevermore. Amen. Amen. Surely, oui. God, goodness, le and mercy upon us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord, in the presence of the Lord, forever and ever. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.